quelque chose de tout à fait nouveau. Fort agréable. C'est l'avenir du voyage. Ravi par la décoration. Un vrai bonheur. Très contemporain. Optimal, clair. Mi sono divertita. Mais c'est l'apothéose. Costa Serena, c'est un bateau de 214 000 tonneaux, c'est un bateau qui fait 280 mètres de long, qui dispose de 1500 cabines, dont 40% sont avec balcon, et qui peut accueillir jusqu'à 3780 vacanciers en comptant les enfants à bord. C'est le plus grand paquebot d'Europe. Les prestations les plus remarquables sur le Costa Serena, c'est d'abord le Samsara Spa, qui est un endroit de 2100 m² sur deux ponts, qui dispose de 85 cabines dans le spa. Donc la grande originalité, c'est que les clients sortent de leur cabine pour aller directement aux soins. Il y a une multitude de cabines, une multitude de soins possibles. Donc c'est un univers consacré au bien-être. Le deuxième clin d'œil, c'est les grandes piscines amovibles, puisqu'il y a des toits en verre, des verrières amovibles qui permettent de prendre son bain partout les temps. Le troisième clin d'œil, c'est le simulateur de voiture de Grand Prix, puisqu'il y a une vraie voiture de Grand Prix à bord. Et c'est pas un joujou, hein, c'est pas du tout quelque chose réservé pour des enfants, mais au contraire pour des adultes qui vont découvrir les sensations de la Formule 1 grâce à ce simulateur situé sur les ponts supérieurs. Les nouvelles destinations proposées restent finalement somme toute assez classiques, puisque nous sommes l'été sur des croisières au départ de Venise vers la Grèce et la Turquie en une semaine, et nous sommes l'hiver à partir du mois de novembre jusqu'à mi-avril sur des croisières de 11 jours sur l'Espagne, Maroc, Canaries et Madère. Donc on restera sur une offre relativement classique sur Costa Serena. J'aime les croisières depuis que je suis tout petit, mais quand je vois un bateau comme ça, ça me fait encore plus dire qu'une fois par an, il faut que tout le monde fasse une croisière.